Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente un bijou, un petit diamant. Villa de 900 mètres carrés, près de la plage, située à Agglo, dans le sud du Maroc. C'est à peu près à 15 km de Tiznit. Superficie habitable, c'est 250 mètres carrés. Nombre de pièces, il y a 4 chambres, 2 salons, cuisine, 5 toilettes, 4 salles de bain, piscine. Il y a 1, 2, 3, 4, donc il y a 4 terrasses. Garage pour la voiture, parking, une petite pièce pour la bonne, piscine chauffante et jacuzzi. C'est parti pour la visite. Je vais vous montrer la propriété entière à partir de l'entrée. Voilà donc la propriété. Donc on rentre par là. Donc tout de suite en face, donc il y a le garage pour la voiture, des placards arrière pour arranger et faire un petit local pour le bricolage, une petite pièce, donc buanderie, un petit espace pour la femme de ménage ou gardien. Et là c'est parti pour voir l'ensemble. C'est un petit village touristique, un petit local pour ranger les affaires de terrasse, jacuzzi, transporté du Canada, de la bonne qualité, terrasse, l'accès du parking là-haut. Pas de vis-à-vis, un accès côté piscine, mais pour la bonne. Et c'est parti. Pour la visite, donc c'est une villa sur trois niveaux mais fait différemment, c'est à dire il n'y a pas trop d'escaliers pour les trois niveaux. Il y a 2 escaliers mais vraiment bien travaillés, on ne sent pas trop monté. Donc on commence par la partie droite entrant. Donc là il y a chambre à coucher, terrasse et l'accès vers la piscine, dressing, salle de bain, et bien sûr dressing. Pour les invités, et là il y a encore 2 chambres. Ce qui fait qu'au total, pour le moment, on a 3 chambres. Donc, chambre avec salle de bain, dressing,
Oui, ça donne. Donc c'est face à la mer et ça donne sur la piscine aussi. Et bien sûr, il y a aussi une terrasse. Après, on y accède depuis la salle de bain. Petite terrasse sans vis-à-vis, protégée. Et voilà, encore une troisième chambre. Pareil, dressing et salle de bain. Télé, dressing, terrasse face à la mer. Et la mer en face. C'est vraiment une villa typique, moderne. Là, en cet étage, il y a une grande terrasse, plus une grande chambre. Avec sa salle de bain, sèche, serviette, toilette et bien sûr la douche. Et voilà l'ensemble. Pareil, face à la mer. Là, on voit un peu flou parce qu'il y a la moustiquaire qu'ils ont mis un peu partout. Sinon, la mer, on la voit à peu près de partout. Et là, grande terrasse transat. Et c'est une terrasse qui donne sur la terrasse devant avec le jacuzzi. Et voilà, là c'est parti pour vous faire voir le rez-de-chaussée. Donc c'est, voilà l'entrée. Donc c'est tout ouvert. Sur la droite, on a un petit espace salon qui peut se transformer en petite chambre ou quand vous faites de la location. Un petit coin bureau, des clims de partout, espace à la manger, grand salon ouvert sur la piscine, seconde petit espace en face de la cuisine. Salle à manger, pareil, en face la piscine. Là, il y a la cuisine principale, bien équipée et de qualité. Et puis là, il y a une arrière-cuisine. Avec l'accès
à l'extérieur, côté piscine. Donc c'est un petit espace un peu écarté de la vue pour le linge. Petite cuisine extérieure pour le barbecue. Voilà donc le salon. Meuble télé. Et là, c'est parti. Pour vous montrer le plus important, une grande table face à la cuisine pour manger à l'extérieur, parce que quand on vient au Maroc, on vient pour le soleil, on vient pour en profiter. Piscine, salon extérieur, pardon, la piscine, c'est une piscine chauffante. Local technique de la piscine. Excusez-moi, la vidéo il est lente, mais c'est pour vous donner plus de détails. Voilà, local piscine, local technique de la piscine. Et voilà l'ensemble. Et là, c'est la mer qui est juste en face. Et là, dans ce village, donc il y a que il y a la majorité des habitants, on va dire 99%. C'est des Européens, c'est des Français, des Belges et d'autres nationalités. Donc là, il y a le responsable, c'est-à-dire le propriétaire de Volvo. Qui habite là. Il y a aussi un propriétaire du gel pour les bateaux, créateur de gel de bateaux pour faire des bateaux qui là, et puis d'autres personnalités, d'autres personnes assez connues, voilà, qui se sont installées ici. Il y a des notaires, voilà. Donc c'est une résidence surveillée. Surveillé, entretenu, donc il y a des jardins de partout, il y a les agents de sécurité, il y a des caméras de partout, il y a vraiment tout ce qu'il faut et tout ce qu'on veut, l'entretien à 100%. Donc la villa en vente. Aussi en location longue durée et aussi location de vacances. Donc je vais vous donner à peu près les prix des locations. Donc prix de location par jour 250 euros la journée, voilà la nuitée, et prix de location longue durée c'est 1500 euros par mois. Pour une durée minimum de 6 mois. Et prix de vente, désolé, je peux pas vous le donner sur la vidéo, mais vous pouvez me laisser un message et je vous donnerai en privé. Merci beaucoup.
Ça sera tout pour cette vidéo. Je me suis déplacé pour vous car c'est vraiment un coup de cœur. Ça vaut vraiment le coup de se déplacer pour ce genre de bien intéressant. Donc je répète, la villa, donc le terrain au sol, il fait 900 mètres carrés. Superficie habitable de la maison, c'est 250 mètres carrés. Nombre de chambres, il y a 4 chambres, 4 salles de bain et 5 toilettes. Cuisine, une petite arrière-cuisine, c'est une petite cuisine encore derrière. Et deux salons, deux salles à manger et un petit coin voilà, qui peut se transformer en chambre, salon en même temps. Et puis il y a trois terrasses, jacuzzi, piscine chauffante et prêt, c'est cadeau par rapport à tout ce que je viens de vous montrer. Donc vous voulez investir, c'est maintenant ou jamais. Merci beaucoup et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.